comment c'était quand je suis née ? Ça s'est passé comme ça. C'était il y a un été très chaud. Maman, qu'est-ce que tu as ? Les contractions se sont enclenchées. Qu'est-ce que c'est, les contractions ? Ce sont de forts étirements au ventre. Quand le bébé vient au monde. Le bébé vient, maintenant ? Non, pas tout de suite. Ça peut durer des heures, mais je vais d'abord téléphoner à mamie. Allô ? Tu sais, les contractions se sont enclenchées. Peux-tu récupérer Léna ? Michael doit aussi à tout moment venir. Bien, à tout à l'heure. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici ? Papa, le bébé arrive. Bonjour. Oh, ça va ? Assieds-toi là. Bonjour mamie, le bébé arrive. Oui, tu dois maintenant venir chez moi. Cherche vite tes affaires. Bon, j'espère que tout ira bien. Oui, on vous appelle dès que le bébé sera là. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. On fait comme on avait convenu. Quand le bébé sera là, tu viendras avec mamie à l'hôpital. D'accord. Tu crois pas qu'on devrait commencer à partir à l'hôpital ? Oui. Je crois que c'est mieux. J'espère juste que ce n'est pas trop tôt pour ne pas qu'on m'envoie à nouveau à la maison. As-tu tout ce qu'il faut ? Oui. Rentrez donc ici. Cette salle d'accouchement est vide. Vous allez vous allonger ici. Je vais vite vous examiner et vous mettre le monitoring. On pourra en même temps voir l'intensité des contractions. Bon, maintenant je vais fermer le monitoring. Alors, nous allons voir. Les contractions ne sont pas si fortes, ça peut durer un moment. Mais vous pouvez rester ici. Alors, je vais vite à la maison. Nous avons oublié mon porte-monnaie. Bon, bah de ma part, c'est impossible. Mais tu viens vite fait, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je dois appeler la sage-femme. J'en peux plus. Vous m'avez appelé ? S'il vous plaît, regardez voir à nouveau. Oh, ça va plus vite que je ne le pensais. Où est votre mari ? J'appelle vite fait le médecin. Mince, mais où est-il ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive tout de suite. Là es-tu enfin ? Allez, poussez encore une fois, bien fort. On voit déjà la petite tête. Ouf, je suis arrivé à temps. Très bien, vous avez réussi. Vous avez une petite fille. Toutes mes félicitations. Comment doit-elle s'appeler ? Elle s'appellera Anna. Tout est en ordre. Anna, tu peux partir maintenant chez ta maman et chez ton papa. Je suis tout simplement chanceuse. Anna, viens chez moi. Regarde, c'est ton papa. Incroyable ! Qu'est-ce qu'elle est mignonne ! Et autant de cheveux ! Je vous ramène dans la chambre. Vous avez de l'expérience pour l'allaitement. Je vous laisse vous débrouiller. Allongez-la juste là et laissez le lait sortir. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, vous pouvez calmement vous reposer avec la petite Anna. Et mettez-la en confiance. Si quelque chose ne va pas, appelez-moi. Merci beaucoup. Ah, ça marche avec l'allaitement. Je vais téléphoner à mamie maintenant. Maman, papa, où est le bébé ? Regarde, c'est ta petite sœur Anna. Anna, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Anna, je suis ta grande sœur. Est-ce que je peux la prendre dans mes bras? Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et comme elle regarde. Anna est beaucoup plus lourde que mes poupées. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Mamie et Léna ont préparé des muffins. On les a tous mangés. La naissance a quand même été très fatigante. C'était l'histoire de ta naissance. Et aujourd'hui, j'aime autant Anna. Coucou, vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-nous un coup de pouce. Et souscrivez-vous à notre chaîne, afin que vous ne manquiez de rien.
Au revoir et à la prochaine.